aujourd'hui, en fait, on ne sait pas de quelle façon sont élevés, transportés, tués, pêchés les animaux. Il y a une opacité qui est entretenue à dessein. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne peut pas regarder, dans la plupart des cas, la façon dont est produite, par exemple, la viande, le lait, les œufs et même les poissons. Ça choque les gens quand on montre les images. Donc il était super important de faire la transparence pour avoir un débat éclairé. On ne peut pas avoir un débat si on ne sait pas de quelle façon ça se passe. Certains font profession de s'introduire dans les élevages, généralement de nuit, pour filmer et ensuite diffuser des images sur des réseaux sociaux, assorties de commentaires, assorties bien souvent de musique inquiétante, et pour complètement caricaturer ce qui se passe dans nos exploitations agricoles. Leur vocation est d'attaquer et de mettre en cause des gens qui font honnêtement leur travail, qui sont confrontés à une réglementation déjà très exigeante, et qui malgré tout subissent de ces contraintes en plus. J'ai toujours travaillé pour la transparence et ça ne me pose aucun problème qu'il y ait des parlementaires qui puissent rentrer dans des abattoirs, qu'il y ait des caméras de surveillance au lieu où l'animal est tué pour assurer que la manière de traiter les animaux est conforme au respect du bien-être de l'animal et du respect de la vie qu'on doit avoir envers lui.